Ensuite, ta chair avec le jus. Je me nettoie. L'époque et l'hygiénisme. Alors, c'est moi qui... Enfin, je ne sais pas si j'ai une question, j'ai un thème. C'est que on a regardé un film qui s'appelle La Daronne. Vous l'avez peut-être vu, parce que ça fait un moment, nous, on était en retard de phase. Avec Isabelle Huppert. Avec Isabelle Huppert, ça j'arrive pas. Et donc, cette dame, enfin, je résume, elle est de la police, elle fait des écoutes elle connaît la langue arabe, et elle fait des écoutes sur des petits voyous, là, pour aller essayer de remonter les filières et tout. Et il se trouve... Oh en fait, c'est une lingette maintenant. C'est, en fait, c'est de l'huile. Bon, d'accord, on va pas se nettoyer comme ça. C'est on va pas mettre de l'huile dans l'eau. C'est super. On ne mélange pas. Bon. Voilà. Et donc, enfin, la question, ce qui m'interpelle, c'est que... donc, c'est la mère d'un des petits, ouais, petits voyous, petits, hein, c'est pas les hauts barons de la drogue, s'occupe de sa propre mère à l'EHPAD, la mère d'Isabelle Huppert. Résultat, pour l'aider, enfin, au départ pour l'aider, mais c'est pour s'aider elle-même, elle va se mettre dans le trafic de drogue à grande échelle. Donc, c'est la daronne après, donc elle va s'habiller en femme arabe, tout ça. Et après, donc, elle fait aussi des connexions avec les Chinois qui ont leur propre business aussi. C'est un super film, en tout cas. Mais bon, en tout cas, ça montre que la seule façon de vivre, en fait, c'est ce qu'elle dit, pour que la vie soit plus douce, il faut quand même transgresser. Alors là, c'est pour les besoins du film, du récit et tout. Enfin, c'est pas pour une invitation à transgresser, mais à grande échelle comme ça. Mais c'est très spectaculaire. Mais bon... C'est la question de la transgression qui se travaille. C'est ça, et de la normopathie. C'est-à-dire, oui. C'est des connements dans l'application de ce qu'on te demande, qui est déjà complètement fou. Mais ça ne va pas. Donc moi, je m'identifie avec elle. Tu t'identifies avec qui, toi? Parce qu'en plus, elle est en couple avec le policier en chef, le commandant. Le commandant. Ouais. Qui, lui, à la fin, comprend que c'est elle, mais la protège. Donc, comme dans un film, généralement, on s'identifie à l'un des personnages. Moi, je panique beaucoup quand elle est... ça doit être un marqueur de mon identification quand elle est soumise à des pressions multiples, des malfrats, parce qu'il y a quand même, tu dis, des petits malfrats à choc et choc à pile, là. Mais il y a vraiment des méchants malfrats qui, à un moment donné, vont la tuer. Et donc, je flippe pour elle, plus que pour... Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le danger... viennent de toutes parts. Voilà, c'est pas que la règle, pas la règle, l'ordre, la civilisation. C'est la société est aussi dangereuse que, enfin, la violence s'exprime différemment, mais que ces personnes qui peuvent aller jusqu'à l'assassinat aussi. Hein. Oui. Mais oui. C'est ce qu'on appelle un meurtre psychique. Hein. Si on se soumet à la société, on est quand même aussi assassiné. On s'en rend pas compte. Mmh. C'est aussi des crimes. Et puis donc, quand elle est menacée, je m'identifie. Quand elle est dans ses dans ses manigances, elle a une cave qu'elle va investir pour stocker la drogue. Et donc là, ça me parle beaucoup. Et tu me parlais de ta cave du 15e. Ah, mais c'était exactement la même. Du pareil au même. Ah, c'était la même. Je me suis dit, ah, j'aurais pu. Moi, des fois, je me dis, je pourrais cacher un cadavre, mais là, c'est de la marchandise. Parce qu'elle vole quand même 2,5 tonnes. Enfin, elle ne les vole pas. Une tonne 5. Une tonne 5, oui. Bon, c'est déjà beaucoup. D'herbe. Maintenant, il y a de l'OCB. Hein. Donc, l'OCB, c'est une forme de cannabis dit thérapeutique. La thérapie à bon dos, c'est une manière de se shooter sans addiction, semble-t-il. Mais peut-être qu'en étant dans le domaine de la thérapie, nous sommes des malfrats. Oui, oui.